Chantal Leizou est partout, au cinéma, sur scène et à la télévision, puisqu'elle fait partie du jury de la nouvelle saison de Mask Singer présentée par Camille Combal, aux côtés de Kev Adams, Vita et Jeff Panacloc. Un rôle qui lui plaît beaucoup, même si elle aurait très bien pu se retrouver sous le costume d'un lion ou d'une girafe. Chantal Leizou, je ne démasque personne. Dans une interview accordée à Télé 7 Jours, l'humoriste a révélé les raisons pour lesquelles on la retrouve dans le jury plutôt que sous l'un des costumes des personnages à démasquer. Mon emploi du temps ne me le permettait pas, a expliqué Chantal Leizou. Il fallait apprendre à chanter et prendre sur des dates de tournée déjà reportées à cause du Covid pour enregistrer plusieurs émissions. Très proche et engagé auprès de son public, l'humoriste a donc décliné la proposition, tout en laissant une porte ouverte à une autre éventualité. J'avais lancé l'idée que j'aimerais un jour occuper la place d'enquêtrice, et quand l'occasion s'est présentée, la production m'a contacté. Est-il donc une Chantal Leizou ravie qui a participé aux enregistrements menés tambour battant par Camille Combal, qu'elle apprécie beaucoup. Jamy quand Camille Combal est aux commandes, parce qu'avec lui, il y a une atmosphère très ludique et détendue, nous avons un bon feeling. A-t-elle déclaré à Télé 7 Jours. Et même si elle a reconnu ne pas être une bonne enquêtrice, je ne démasque personne. Cela va peut-être rassurer les téléspectateurs, déjà que j'ai du mal à reconnaître les gens sans masque. Chantal Leizou s'est semble-t-il très bien entendu avec ses comparses jurés Kev Adams, si est-il le patron, il nous a très bien accueillis, a-t-elle confié, je connais Jeff Panacloc depuis longtemps, on se croise sur les plateaux d'humour et nous avons eu le même producteur. En revanche, j'ai découvert Vita, une artiste très talentueuse, la complicité a été immédiate. Si est-il donc dans un très bon feeling que se prépare cette nouvelle saison de Mask Singer, et on a hâte de retrouver cette nouvelle équipe.